Salut, salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui débute le premier tour de Roland Garros. Donc, c'est un tournoi qui, dans le jeu, est assez compliqué, plus compliqué que les autres, puisque c'est le tournoi qui rapporte le plus de points à l'ATP. Donc, quand je tombe avec un niveau 30, comme Emily Moore là, même si je suis dans le top 5 maintenant, ça peut être un match très très compliqué. En plus de ça, si on regarde le tableau, je ne suis pas dans la bonne série. J'aurais préféré me retrouver dans la colonne de gauche avec Kerber qui est numéro 1 mondial et Mladenovic, la française, qui est 6e mondial. Ça, ce sont en fin de compte tous les noms qui sont à gauche. Le tirage est beaucoup plus favorable à gauche qu'à droite, puisque comme vous le voyez à droite, il y a encore Muguruza, la 4e mondiale, qui m'a battu la dernière fois. Il y a Potiron aussi qui est, malgré qu'elle soit 31e, qui est très forte. On a Wozniacki en bas, qui était la numéro 1 mondiale pendant 3 saisons de suite. Et Papandreou aussi, la 25e mondiale, qui est une plaie à jouer. Donc on va voir. Hein. On y va. Bonne chance Julie. C'est tout ce que je peux dire. De chargement un peu long sur Roland Garros, c'est normal. Ah, je suis vraiment curieux de voir ce match. C'est comme si elles allaient jouer contre un miroir, tant leur style de jeu est identique. Voilà, nous sommes sur le court Simone Mathieu. Et ils jouent contre la professionnelle Emily Moore. Je commence le service. Alors, comme vous le voyez, Julie a changé de tenue. Faute. J'ai essayé un ace, pas passé. Va chercher. Elle a bien réglé sa mire. Qui termine assez largement dehors. 30-0. On va essayer un ace. Passe pas. Allez, bam! Oh la vache, il a failli passer. Ok, premier jeu. Allez. Ah là, elle a touché la bonne zone. 15-0. Ouf. Ah,
15-30. Ouh, c'est la frappe parfaite. Elle l'a pas vu arriver, celle-là. Elle l'a pas vu arriver. Encore une fois, nice. Allez, à elle de l'agresser. 30-40. Hop ! Il ne passe pas. Allez. Et elle est allée le chercher, ce break. Bien, Julie. Elle a passé mes aces. Ouf. Bien. 30-0. Ouh, papa, papa. Bon. Ah, bien. Qu'est-ce qu'elle tourne bien autour de la balle. Ah, ça, c'est un joli point. 40-0. C'est mérité, elle était vraiment plus forte sur ce set. Elle est contente, c'est bien. Ah, j'ai que 50% de premier service, mais normal, hein, j'arrive pas à passer mes aces. Deuxième manche. Ah oh là là. Elle met la balle vraiment où elle veut. 15-0. Elle m'énerve avec ses aces. Hein. Allez. 15-0. Mais c'est pas vrai. Elle trouve un angle incroyable. 30-15. Ah. Elle touche vraiment toutes les zones. 40-30. Faute. Nous voilà à égalité. Égalité.
Ah, les fautes, putain. Ce jeu de service est compliqué, là. Avantage. Allez. Alors, on appelle ça la perfection tennistique. Égalité. Égalité. Faute. Ouais, faute, ouais, voilà. Arrêtez de m'emmerder avec tes aces. Hein. Faute. Elle est vraiment facile en retour. Elle essaye de me déborder, mais voilà quoi, je fais que des amortis et elle fait la faute. Avantage. Faute. Et elle fait le break incroyable. Faute. 15-0. Manque pas grand chose pour que mes aces y passent, hein. Manque vraiment pas grand chose. Oh la vache, le retour. 15-A. Ah, moi aussi je sais faire des retours. Elle a tout lâché, hein, sur ce coup droit. 30-15. Ah là là! Quel toucher de balle! 30-A. Ouais, il est passé. Elle se sent bien, l'épaule est chaude. 40-30. Faute. Elle doit se reconcentrer, hein. Elle est trop sûre d'elle côté revers. Faute. 0-15. Ouf. Putain, elle est en train de me déborder. Allez! Oh là, t'envoies tout! Pas possible! Physiquement, elles sont impressionnantes!
15 à. Faute. Faute. 15-30. Faute. 2 chances de finir le match. Allez, une balle de match. 15, 2 balles 40. De match. 2 balles de match. Amphi. M'emmerde avec ses aces. Restez au présent. 30-40. Oh, renvoie ça encore. Pas. Qu'est-ce que j'aime ce revers. J'avais 2 balles de match, non. Je les rate. C'est dingue ça. Égalité. Faute. Faute. Qu'est-ce qu'elle retourne bien. Avantage. Allez. Hop, 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 hop. Faute. Quelle victoire éclatante, nette et sans bavure. Moi je dirais pas ça, je dirais que j'ai du mal. Voilà, donc premier tour passé. Bah, le prochain tour, bah, ça sera en 8e de finale contre l'Allemande, la 10e mondiale, Anna Schulz. Allez, bye bye les amis, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bye bye.